Est-ce que la République dominicaine change politique migratoire ensemble avec Haïti? Qui vraie raison qui cachait des dos haïtiens nous voyons voyer tourner tant que ces cabrit pas pile pas paquet? Jusqu'à qu'il ait déportation ça va continuer. Qui l'est au bras le camper? Sous besoin de réponse à toute question ça yo, restez ensemble avec nous dans l'émission Plus Vérité ça. Yon émission côté nous pral détailler morceau par morceau, nous parler de bien comprendre qui ça cap passé vraiment en bas dans relation entre Haïti et République Dominicaine dans le moment à parler là qui cause gros scandale qui a dominé l'actualité durant toute semaine là. Restez ensemble avec nous dans l'émission Plus Vérité. Éducation, information et bonne information, c'est caractéristique émission Plus Vérité Warren Nouyo, nous connaissons ça déjà. Gen Coupe du Monde, nous ne pouvons pas perdre du temps, sans perdre du temps, nous allons présenter une émission qui est très courte, mais malgré Gen Coupe du Monde, il faut toujours retirer un petit temps pour connaître ça qui a passé pour après Coupe du Monde, là, pour ne pas orger. Parce que si vous ne suivez pas l'événement, l'actualité politique, vous ne pas camper, il faut toujours bien comprendre ce qui a passé. Durant toute semaine, la question que l'on a posée, est-ce que la République dominicaine change la politique migratoire qui était toujours gagnée depuis bien des années avec Haïti? Parce que vous avez un comportement qui est pour que j'aime moi-même. Dans l'émission Plus Vérité aujourd'hui, je viens répondre aux questions. Je viens dire que la politique migratoire n'a pas changé. Mais il y a un nouveau élément qui est entré en ligne de compte. Et c'est ça que je viens de bien comprendre ce qui s'est passé. Je rappelle. Dans l'année 1996, après une grosse crise qui a traversé la République dominicaine, il y a une élection, la première élection qui a été faite après une grande crise, la population a été sortie en masse, elle a voté. Mais elle a voté pour une raison bien spécifique, elle a voté pour résoudre un problème. À l'époque, elle a voté pour résoudre le problème de l'eau, le problème courant, problème route, yo te vle moderniser pays a. C'est pour ça yo t'a voté dans l'année 1996. Et m'a rappelé que parti qui te gagné l'élection à l'époque là, li passé presque 20 années la goumen et problème ça li résoudre li. Problème de l'eau, problème courant, problème route, ça pas priorité pour population hein, parce que pour eux même en grande partie son problème qui déjà résoudre. Après problème ça fin résoudre dans l'année 2000, population sorti encore là le voter. À l'époque, population a voté pour un objectif bien spécifique. Population a voté pour question corruption qui t'a ravagé, qui t'a gangrené le pays à tout côté passé par là. C'était corruption. Il était sorti pour t'aller voter. Et président actuel là, il était voté précisément pour t'aller gommer contre corruption. Mal conseillé à cause des gros efforts qu'il fait, on était capable de dire à 50% de passer examen hein, et ça il vient traverser, il vient pas priorité pour population encore, il y a des gens plus pesés parce qu'ils ont senti effectivement qu'il y a un gouvernement qui a gommé contre corruption. D'après un pile film statistique qui baille en République dominicaine, il a déjà dit pour une élection qui va le faire dans l'année 2024, yo, sujet principal qui va le mettre population en dehors, c'est problème haïtien qui a envahi République dominicaine. Nan. Et bagay ça il prend racine depuis le m'te capable dire l'oué ancien actuel magistrat Santiago qui fin passé dans l'élection interne dedans parti qui désormais que lui même principal sujet choix de bataille c'est des questions sujet haïtien il annonce que lui même depuis au fin voter pour lui comme président il va résoudre problème ça et bien faut que moi dire le 14 octobre qui s'est passé là même jour il fin gagner élection à plus passé 60% en dedans parti là. Même jour ça dans palais national en République dominicaine parti qui sous pouvoir eh bien yo prend une résolution côté au dit sujet haïtien que tout sondage dit en année 2024 c'est pour ça population pral voter moun ki bal plus garanti qu'il pral résoudre problème haïtien en République dominicaine nan yo pa ka quitter sujet ça nan main principal opposant nan main parti qui gagne de capable de grande majorité principal opposant yo gagné yo pral nan élection ensemble avec lui en année 2024
Et c'est même jour soirée ça, monsieur prend décision côté, yo révoqué directeur migration qui directeur immigration qui était là. Yo venir avec un élément qui c'est élément de confiance, yo élément yo fait qui comprendre jouet politique yo a bien, yo installé un nouveau directeur et depuis là ça a une mission bien spécifique, c'est retirer principal sujet électoral qui gagne dans moment là en République dominicaine, retirer dans bouche opposant pour yo capable ramener dans camp parti qui sous pouvoir qui pral dans élection. Faut me rappeler que par présidentiel il pral dans élection à partir de année 2024 pour le capable prendre l'autre mandat, c'est retirer sujet ça dans bouche opposant qu'il fait toute capital politique li ensemble avec pour yo capable ramener sujet ça dans camp parti qui sous pouvoir. Et c'est à partir de là qui faut toute vague mouvement ou qu'a fait yo, c'est à partir de ça, c'est vrai raison qu'il faut monsieur yo pas dormi, yo dit qu'on met Jean-Jacques faut yo retirer sujet ça pour yo ramener le camp yo. Effectivement, d'après un pile sondage qui bail depuis les monsieur commencé vague mouvement, taux popularité président li déjà commencé monter. Ça veut dire président la font bon travail, il commence à accorder et faut moins dire principal opposant qui fin à peine sort gagne élection yo, moun k'ap suivre actualité yo, faut yo wel il commence fret comme li presque pas joindre l'autre sujet encore. Ça vient faire que problème haïtien en République dominicaine, il vient convertir en principal sujet. Gen moun qui pas tellement comprendre réalité a qui a bayan, qui a dit en pile causé. L'autre conseil d'institutions internationales tant que ONU, tant que même département d'État qui a fait alerte qui a dit que gain racisme en République dominicaine, c'est vrai en grande partie yo ça a dit mais satisfaction ça président pas ka fait rien pour yo même si gouvernement haïtien était campé en blanc malgré toute protestation qu'a fait dans moment n'a présenté émission plus vérité en pile côté sur ligne frontière là fermé en pile manifestation a fait pour yo wè nan ki moyen yo était capable freiner vague déportation yo même vinn di nou nan émission plus vérité là extrêmement difficile parce que ça qui en jeu dans moment n'a parlé là avec question déportation haïtien yo c'est avenir président qui c'est pouvoir qui en place là cap déterminer est-ce qu'en 2024 l'a joignon nouveau mandat ou bien est-ce qu'en 2024 il a mettre la tête parce que encore une fois tant j'aime rappeler là tout sondage yo dit en année 2024 population en pral voter sujet qui pral mettre population en dehors pour y aller dans élection c'est dossier haïtien mon cap dit président racisme m'a dit nous font une petit m'a dit nous faire un petit poser président c'est mon président Abinader c'est président qui plus riche dans tout latino américain yo yon vrai capitaliste pour capable faire toute accumulation ça yo yon vrai capitaliste pas contre pas raciste li pas radical mais c'est ça yo ça qui plus important pour yo c'est l'argent tant que Jean Karl Marx te dit pas saisir la plus proche yon nèg noir qui gagne l'argent pareil que yon nèg blanche qui pauvre un vrai capitaliste li pas racisme ou pas besoin faire ou pas besoin tromper tête d'ailleurs sous ta vie besoin bien comprendre est-ce qu'effectivement président le capitaliste allemand des ministres agriculture là qui c'est principal producteur de bananes en dedans pays a combien haïtien li gagnent cap travailler ensemble avec lui faut que moi dire mouvement qu'a fait là pas fait être écrasé c'est pour un vrai mouvement qu'a fait c'est pour une politique migratoire qui changer ça ouais qu'a fait là c'est un coller pièce qu'a fait pour jouer ensemble avec une perception politique d'ailleurs soit regarder bien pour ouais malgré vague de déportation qu'a fait là regarder qui côté concentré yo concentré dans grande ville yo côté majorité monde qui t'a travaillé dans construction qui en baisse gagnent excédent dans secteur ça en République dominicaine dans moment là mais malgré vague déportation économie dominicaine n'a pas senti parce que yo parlé vraiment côté masse monde qui a produit yo al garder dans secteur agricole al garder en dedans baté yo al garder dans secteur dans secteur canne à sucre là est-ce que vraiment moun sa yo moun qui a travaillé en dedans champ banane en dedans champ canne al garder dans champ di est-ce que moun sa yo effectivement c'est moun sa yo y a déporté papier paquet non yo plus concentré dans grande ville yo côté gon quantité moun qui presque pas travail qui a fonctionné en dedans ville yo et puis c'est là vraiment y a le concentré et puis yo joué avec perception hein, pour yo capable redresser crise électorale ça yo gagne mais question de un changement de politique migratoire radical si République dominicaine te vle déporter réellement tout haïtien qui illégal yo connaît avec une seule déclaration yo te capable résoudre ça mais pas facile parce que économie yo Haïti c'est principal partenaire commercial yon décision comme ça mbon garanti li tapral et tant que Jean Mounio kon di
maladie a remède là t'a pas le côté plus cher passer maladie a parce que effectivement économie t'a entré en récession. C'est ça qui fait y a fait un petit passé mais y a joué sous perception grande majorité population hein. Yo gain donné politique yo nan men yo, y a joué ensemble avec ça pour yo capable ouais effectivement si yo capable pour yo capable aller dans élection. Jusqu'à qu'il est problème ça, problème déportation li va le camper. Est-ce qu'il va le camper? M'bon garanti jusqu'à élection année 2024. Pour question dossier haïtien, dossier et déportation en République dominicaine, non, c'est pas facile. Dans un moment déterminé, il est capable de faire une légère baisse pour lui-même. Mais tôt ou tard, il va remonter encore, il va rebondir parce que jusqu'à l'élection 2024, il fin passé. Question ça, il n'a pas bien dormi sous lui parce que son sujet crucial et c'est lui-même qui va déterminer. On est capable de dire qui est-ce qui a gagné l'élection en 2024. C'est ça qu'il faut les communautés internationales à parler ensemble avec le président. Les mondes en Haïti à parler, li pas occupé yo. Et d'après information de yon source nou ka fè confiance di nou, avant même président Abinader te commencé mouvement ça, li te entré en contact ensemble avec allié qu'il gagné en Haïti pour te expliquer aux situation hein. Et si le gouvernement haïtien gonti jan lan yo presque pas vle réagir, c'est parce que yo bien comprendre ça qui a passé a. Yo connaît bien tout ce qu'a fait là son soupoudre qu'a fait pour jouer avec une perception politique pour yo capable assurer qu'il a toujours été sous pouvoir mais c'est un problème réel yo gagné m'était capable de en dedans politique migratoire là parce que moyen politique migratoire là signifie nécessairement moyen économie République dominicaine nan ensemble et c'est là si tu gagne monde qui t'a défendre Haïti yo t'es capable jouer sur réalité ça pour capable défendre intérêt haïtien yo mais malheureusement c'est pas réalité a c'est pas ça lié. Mille merci pour sauter ensemble avec nous dans l'émission Plus Vérité ça, à la prochaine pour nous venir présenter dans notre émission Plus Vérité. À la prochaine.